Vendredi 27 janvier, début du Snow Scout World Master of Derby. Ça se passe à Isola 2000. Ça réunit évidemment des riders de Snow Scout. Le Snow Scout, c'est comme une bicyclette sans les roues, avec des patins pour aller sur les pistes de ski. Pour vous montrer comment ça marche, nous allons faire une petite reconnaissance avec eux. Cette fois, les choses sérieuses commencent. Nous sommes du côté du Grand Tour et un petit circuit a été aménagé sur une des pistes de VTT. Les 20 meilleurs seront pris pour faire la compétition. Les autres disputeront l'Open. Bien parti. Le 24 au départ. Il a dit qu'il freinait pas. Parfait. La télé qui vaut le détour. Et qu'en voit du lourd. Ah, allez, j'y vais. C'est maintenant que je vais y aller, il est génial ce Nous allons descendre en caméra embarquée avec un des concurrents comme si vous y étiez. Nous sommes sur le Snow Scout de David Patch. À l'issue donc de cette première manche, les qualifiés ont été Geoffrey Henry, Poncé Jean-Philippe, Michael Butard, Corentin Desbois, Joris Josio, Durand Paul, Jimmy Ravier, Sébastien Durier, David Patch que vous venez de voir en caméra embarquée, Fabenek Johan, Yvan Chouvi, Grégory Pario, Charles Vriger, Romuald Deli, Alexandre Giordano, Naohiro Takamatsu, Lacomar Tanguy, Patrick Lacomar, Prada Julien et Lopez Julien. Le 56, Johan Fabenek du Val d'Arly.
Il y avait aussi Dark Vador. C'est un Suisse, c'est Jimmy Ravier. Le 19, Chori Soziol. Takamatsu Naohiro Dinao, le japonais. Geoffrey Henry dit Twitch, le numéro 1. Bruce Rulfo, l'organisateur et multiple champion du monde. Putain, il descendait fort. Sacrée chute. Ouais. Et après, le problème, c'est qu'avec tous les passages, ça a creusé la pelle. Ouais. Je m'attendais pas à ça, en fait, et je suis parti un peu sur l'avant. Donc, bah ouais, je suis parti un petit peu sur l'avant, là, tu vois, le guidon. Ouais. J'ai essayé de me retenir, mais ça l'a pas fait. J'ai un peu tapé, là. Ah bah, j'ai les images, de toute façon. Ah, bah, comme ça, je verrai ça. ça fait du bruit, hein. Ouais. Bon, bah, content que tu... Voilà, on a eu peur, en tout cas. Ouais, merci. Bon, pour l'instant, on est pas trop mal, de toute façon... Si je suis battu, je serai quand même pas trop mal pour la deuxième manche. Ouais. Si je la fais. Bon, voilà. Bon, la suite du programme, c'est quoi alors? Alors là, on va faire en fait une reconnaissance tous ensemble pour la course de ce soir. Et puis après, on va manger au chousse. Ouais. Et juste après le chousse, départ sur la piste noire pour le top 20. Ah ouais, voilà. Quand même. Pour les abrutis qu'on n'a pas encore pris plein les bottes, on va les envoyer dans la piste noire de VTT d'été de Isola. Super. Bon. À tout à l'heure. Tout continue. L'après-midi, les choses très sérieuses vont commencer pour ceux qui sont qualifiés dans le top 20 puisqu'ils vont descendre dans la piste de VTT, la piste noire de l'été. On commence avec Enguerrand Aubry. David Pache au départ. Michael Butard dit Mic. Le numéro 1, Geoffrey Henry dit Twitch. Corentin Desbois dit Coco.
le japonais Nao. Yvan Chouille dit Zélie. Paul Durand dit Polo. Sébastien Durier dit Dude. Joris Oziol. Romuald Delhi, qui n'est pas superstitieux puisqu'il a le numéro 13. Et on termine avec Alexandre Giordano, avec qui nous allons descendre en caméra embarquée. C'est Geoffrey Henry, dit Twitch, qui va gagner haut la main cette première manche. Le lendemain matin, nous prenons la télécabine du Mercantour pour la manche suivante. Toi, tu viens d'où ? Manosque, la Brienne, plus exactement. Ah ouais, c'est pas très loin. Pas très loin. Quoique, quand il y a la montagne, c'est... Ça pique un peu quand même, la route, la neige, il faut prendre son temps, donc... Ça fait un peu de route. Ça fait longtemps que tu fais du snow scout ? Ça fait 5 ans. Cette année, ça fait 5 ans. Et avant, tu faisais du ski, du snowboard ? Ski. Ouais. Ski. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire du snow scout ?
Des collègues, on était partis tous ensemble, on a tous loué des snow scouts et on a accroché quoi. Obligé. L'essayer une fois, c'est l'adopter donc. Ouais, t'as basculé quoi. J'ai basculé. Je passais dans le côté snow scout. Voilà. C'est le top. La force est avec toi quoi. C'est ça. Et des bonnes rencontres, faire évoluer ce sport. Ouais, c'est une borne quoi, c'est un petit microcosme quoi. C'est ça. D'accord. Bon, eh ben, bon courage hein, parce que ce merci. Matin. Ça... Ce matin ça va cailler, neige, mais ça va le faire. Ok. Il est 8h30, la télécabine a ouvert un petit peu plus tôt, rien que pour les compétiteurs de snow scout. Je vous rappelle, la procédure. Le départ va être donné. Vous avez droit de faire 3 pas. Ça veut dire 1, 2, 3, je monte. For the start, 3 steps, ok? 1, 2, 3, jump. Then you can push when you want. With only one foot. 15, 4, 3, 2, 1, go. Arrivé, c'est encore Geoffrey Henry qui arrive en tête du Twitch. Deuxième, Poncé Jean-Philippe. Troisième, Butard Michael. Cette fois, c'est le départ des concurrents Open. J'ai le vainqueur de l'an dernier, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, cette année, ça donne quoi? Ben, cette année, là, j'ai déjà remporté le titre en descente hier. Ouais. Donc, sur la piste noire, là, j'ai fait les deux meilleurs runs de la journée. Mmh. Ça va, c'était,
c'était physique, mais on s'est vraiment fait plaisir sur la piste, c'était cool. Bon. Là, ce matin, j'ai gagné le premier derby déjà, donc bah, j'espère continuer comme ça sur les trois prochains, et puis voilà quoi. Alors, vous êtes d'où ? D'Alsace. Oui, ça s'entend un peu, oui. Et c'est vous le successeur de Bruce ? C'est un peu ça, ouais, je pense. Bruce, de Nicolas. Ouais. Et lui, du coup, bah, il organise. Il m'a dit que là, l'organisation l'avait fatigué et tout. Donc aujourd'hui, il a préféré pas prendre le départ. Voilà. Et est-ce qu'il y en a des qui talonnent derrière ou vous êtes vraiment au-dessus du lot ? Ouais, ça va. En général, bah, sur les derbies, j'ai un peu d'avance quand j'arrive en général. Ensuite, hier, sur la première descente, j'ai mis 8 secondes au deuxième. Et sur la deuxième, j'ai mis 5 secondes. Donc j'avais encore une petite marge, on va dire. Bon, bah, tout va bien alors. Ouais, ça va. Merci beaucoup. C'est chouette. Compétition suivante, nous allons à la frontière italienne, au col de la Lombarde. Beaucoup de brouillard et beaucoup de vent. En attendant le départ, les compétiteurs se mettent à l'abri derrière les casemates de la dernière guerre. Et c'est dans les nuages que le départ est donné. À l'arrivée, c'est encore Geoffrey Henry qui gagne, mais cette fois avec une courte avance. Le départ des concurrents open avec encore plus de brouillard. Dimanche matin, 8h15, toujours en haut de la télécabine du Mercantour. Rendez-vous pour la dernière compétition. Départ d'en haut de la remontée de la Valette et arrivée en bas, beau dénivelé. Les concurrents vont partir à 2360 mètres d'altitude pour arriver à 1840 mètres d'altitude. Ça fait quand même une belle descente. Le départ se donne donc du col de la Valette, un peu plus haut que la remontée qui est à 2350 mètres. Et devinez qui arrive en tête, Geoffrey Henry aura tout gagné.
Bon Geoffrey, alors, content de ton séjour à Isola des Mines? Ouais, je me suis éclaté. Bon alors, bah là tu les as encore tous tollés? Ouais, bah encore une fois. Voilà, c'est le quatrième de du week-end et je suis au premier, donc c'est bon, j'ai fait le grand chelem. Deuxième départ des Open, on en profite pour témoigner notre amour à la ville de Nice. 5, 4, 3, 2, 1, go! Un peu plus tard au chalet du Belvédère, c'était la remise des prix, laissant la parole à Bruce Rulfo. Ils ont accueilli et qui ont fait un travail fantastique avec nous, donc vraiment on les met en avant pour les prochains événements. Ils n'étaient pas à y aller, ils ont été super. Et puis la station qui nous a quand même permis de couper pour notre course deux pistes, d'arrêter un téléski pour que nous on puisse aller s'amuser. Donc ça, en termes d'organisation, on peut vraiment remercier la station qui nous a accueillis depuis 2010, qui nous accueille tout le temps, et là qui a fait un vrai effort pour qu'on puisse vraiment s'éclater. Ah yes, yeah. Répète celle-là. Non, c'est 50 balles d'acclamation. C'est 50 balles. Le petit barbu. Allez, une belle photo et on passe à la suite. Viens pas ! Ok ? On peut les applaudir parce qu'ils se sont vraiment tirés la bourre. Ah, j'ai pas compris. Ouais. Et pour Pralou, une weed, 8 rajouts.